c'est vrai qu'il y a des brouillards pareils, c'est qu'au final tu passes ton temps à nettoyer la visière. Parce qu'au début tu t'en rends pas compte, tu roules tranquillement, puis tu te rends compte que tu vois de moins en moins bien, tu te dis la vache, le brouillard il s'intensifie, non non c'est juste la visière en fait qui se recouvre d'une pellicule de flotte. Et que tu vois pas tellement c'est fin en fait. Un peu comme quand je nettoie la caméra d'ailleurs. Voilà, c'est typiquement le genre de cas où je dirais jamais rien quoi. Parce que je suis supposé être à 50. Ce qui n'est pas tout le temps le cas. Belle escorte. Ah bah c'est bizarre, c'est passé de 110 à 90 en face. C'est dingue. Et on me fout le cul. Ah vas-y gros dégueulasse, jette ta cigarette par la fenêtre. Putain. Je sais pas ce qui m'étonne le plus en fait, le simple fait de voir que ça jette un truc par la fenêtre ou le fait de voir que c'est genre un gamin qui doit avoir, je sais pas, allez, à vingtaine, qui est passager et que c'est sa mère apparemment qui conduit. Ou c'est un couple très bizarre. Faut que je fasse la voix off sur ce qui vient de se passer. Vous connaissez le lièvre et la tortue? En image. La bécane avait de la gueule, hein. Une chose est sûre, elle est plus propre que la mienne. C'est soit vous la sortez pas souvent, soit vous la briquez tous les jours. Pas de clignotant, comme d'hab. Voilà. Hop là. Un blaireau, quoi. Je regardais bêtement la voiture au loin en fait pour voir ce qu'elle faisait, j'ai pas vu de piétonne. Je suis juste un gros blaireau. Pour ma défense, j'ai le soleil dans la tronche. Hein. Ah oh, d'accord, ok. J'essaie de comprendre le clignotant. Ouais. Je suis con en fait, c'est tout. Il y a pas de. Je suis complètement à l'ouest en ce moment en fait, tout simplement. Mais d'un autre côté, je suis en train de me dire que c'est quand même une. Elle était censée s'arrêter. Genre depuis quel moment quand tu mets ton clignotant t'as la priorité sur ce qui vient en face? Je suis en retard de moi. Elle était belle la priorité à droite. Hein. Oh là. Mais tu vas où? Heureusement qu'il a l'œil, hein, parce que j'étais vraiment derrière lui au moment où il a commencé à reculer. Ça aurait pu très mal finir. Les emballages en fer se recyclent à l'infini. Le mieux ce serait de pouvoir les réutiliser avant de les péter dans tous les sens. Mais ça, ce n'est que mon avis. Oh, ça croustille là-dedans. Eh bah, ben, quand je vois le bordel que c'est, je suis bien content de ne pas avoir à mettre d'essence en ce moment. Vraiment content. Pas content. La lune elle paraît vraiment énorme ce soir. J'ai l'impression qu'elle est deux fois plus grosse que d'habitude, allez savoir pourquoi. Mon dieu, si vous saviez à quel point là je fais un galérien. C'est dans ces cas-là où t'aimerais bien avoir un joli top case. Allez, je mets tout à l'arrache là-dedans, je m'en fous. La première petite boisson pour madame. La deuxième petite boisson pour moi. Et la troisième petite boisson pour celui qui aura soif.
Voilà. Petite pensée à ceux qui regardent ça, qui sont en train de me détester parce que je leur donne faim là tout de suite. Je vous aime. Une poubelle là tout près. Eh ben ça va rester dans le sac. Pas comme le mec à côté là. Et voilà. Zéro clignotant pendant que le mec il est en FaceTime sur son putain de téléphone. Ou ça FaceTime ou ça regarde un live, je sais pas trop, mais il y a clairement une vidéo sur le téléphone avec quelqu'un. On voit très nettement. Ça m'étonnerait que vous arriviez à le voir, mais là normalement on le voit. Y a rien de plus à dire, hein. Imaginez comme quoi j'étais pas en train de parler. Très souvent, quand je fais des montages, je fais ce genre de truc à la con, je fais un cri débile, je dis quelque chose, et pendant que je regarde les rushs, je me dis, je dis rien après. Alors du coup, vous vous étonnez pas si des fois, quand vous regardez des morceaux où je dis un truc, on dirait, mais c'est pas possible, il a coupé la fin de ça, il a coupé la fin de la scène. Mais non, non, c'est juste, je dis plus rien, sans raison, comme ça. Ça vient, ça pop dans ma tête. C'est comme des fois, vraiment, j'entame des phrases, on dirait que je les termine pas. On pourrait croire que j'ai coupé la fin. Mais si, en fait, c'est juste j'arrête de parler, c'est bon, j'ai rien de plus à dire. Mais disons que l'intonation fait croire tout le contraire. Ça y est, il a allumé ses feux! Au début, il s'est dit, merde, j'ai pas mis de clignotant! Non, non, c'est pas le clignotant le souci! Et ici, il y aura toujours une belle vue. Alors le problème, c'est que je sais que YouTube a tendance à dégrader les images, mais je peux vous dire, putain, ça fait. Il y a beau faire quasiment nuit, putain, ça fait un sacré ciel, quoi. Voilà, ouais. C'est joli. Disons, l'usage des clignotants, elle a vraiment du mal, elle. Hein, hein toi, hein? Oh putain, il a mis un clignotant qui marche. Pour faire de la merde en plus, vu qu'il allait à droite. Chet, tu prends le feu rouge. Ah non, bah t'as grillé le feu rouge. Ah, là, là. J'ai envie de dire, on est place après, hein. Non, non, j'ai pas validé de la merde, hein, j'ai juste le Covid. Juste. Ouh, attention, j'ai le Covid. Je vais tous vous Covider. Madame a été partageuse, elle est contente, elle travaille pas. Elle est en vacances. Elle dort toute la journée, elle est pas bien, moi ça va. J'ai presque envie de dire, on est tombé malade au bon moment quand je vois là, toute la merde que c'est par rapport à l'essence. C'est assez coton quoi. Au début, nous on voyait juste la station Limour qui était fermée de temps en temps. On cherchait pas à comprendre. Au début, on pensait juste qu'avec l'énorme réduction qu'ils avaient mis, qu'ils la fermaient en fait aux heures de pointe pour éviter justement que ça fasse des bouchons, pour éviter les accidents. Je me disais, ok, parce qu'elle est ouverte sinon le reste du moment. Et on se rend compte que non, ça avait rien à voir avec ça. Autant moi, heureusement, j'ai pas ce problème. Hein. Une fois, je suis vraiment content d'avoir une électrique. Ça fait presque marrer quand on entend les mecs qui disaient. Ouais, avec ta station de borne, je ne veux rien dire ce que je veux dire. Avec tes stations de charge tous les 25 000 km, c'est la galère pour faire le plein, machin. Il y a des stations-service partout. Ouais, mais ce qu'ils ignorent, c'est que la station-service, elle se remplit pas tout seul. Hein. Certes, l'électricité vient pas non plus par magie, mais disons que le réseau de transport, il est là. Hein. Et on va dire le transport de l'électricité, c'est pas ce qui coûte très cher. Hein. C'est pas ce qui pollue le plus non plus, parce qu'il est en place. C'est-à-dire, il y a la production. Certes, la production, ça pollue, comme la production de carburant. Hein. On ne l'obtient pas par magie non plus, le diesel. Enfin bref, je sais qu'elle va rebosser là, dans la semaine. Sauf que madame, elle a besoin de faire un plein par semaine, hein, parce qu'elle ne bosse pas à côté. Hein. Ça pique. Hein. On a un sacré budget essence, malgré qu'il y en a un électrique. Hein. Parce qu'on voit quand même la différence. Hein. Si je bossais encore avec ma thermique, je ferais un plein par mois. C'est-à-dire, ça va encore, hein, parce que je ne suis pas un gros rouleur. Enfin, je suis pas un gros rouleur. Je veux dire, mon taf est pas très loin. On va pas dire que c'est un gros rouleur, quand tu taffes loin, t'as pas tellement le choix. Parce que là, j'entendais ce matin, il y avait la station essence au niveau de Gomez qui était ouverte.
Qu'est-ce que je fais? Pourquoi qu'il est en gauche? Moi je vais pas à gauche, espèce d'abruti. Forcément, c'était le bordel, il y avait. Je sais pas, il y en a qui disaient qu'il y avait genre 20 minutes d'attente, machin. Et arrivé vers 4h, plus d'essence déjà. Donc ça va presque finir, je crois que quand moi j'irai au boulot, je prendrai un bidon d'essence dans le dos. Parce que la voiture de madame, elle sera à sec. Et qu'on n'aura pas trouvé de station pour faire le plein. C'est le problème de la région parisienne, hein. Si tu t'éloignes un peu, apparemment ça va. Et c'est la première fois que je vois ça là, sur les réseaux, quand je voyais que ça parlait de la manifestation pour le stationnement payant en moto, qui se fait toujours toutes les semaines. Hein. Et première fois que je voyais dans les commentaires, peut pas venir, plus d'essence. C'est malheureux, mais. C'est quoi, c'est le vert et le rire dans tous les cas. J'en ai quand même du stock hein, de poubelle dans un petit coffre. Ouais, bon, bah, ça partira avec. Hein. De quoi? Heureusement que j'ai la crise de sang. Ah, ça va, ça a pas trop l'air ici pour le moment. Comment? Je dis, ça a pas trop l'air. Non. Moi, ça fait 10 jours que je suis pas sorti, donc je me suis pas rendu compte de la différence. Donc... ouais, bonne journée. Vas-y, tu peux y aller, de toute façon, tu y es déjà à moitié. Tu me déranges pas du tout. Il a pas l'impression de rouler à contresens? Je prends le cours, bah, un peu large. Bah ouais, c'est ça, je fais, je sais pas, dis-le si je te gêne, quoi, enfin. Si on m'a proposé le même style, je lui dis, je le revois pas. Bah tu dis ce que tu veux, t'es dans un pays libre. Hein.